Sur le territoire australien, il existe des créatures étranges. Je pense notamment, par exemple, aux platypus. Ils sont plutôt mignons, mais ils ont de la fourrure et ils ressemblent à un canard. C'est un peu bizarre. Mais il existe des créatures encore plus surprenantes, des créatures beaucoup plus dangereuses. Des créatures à faire frémir, des créatures dignes de vos cauchemars. Connaissez-vous le Bouni? Parmi les mythes de la culture aborigène en Australie, il existe une créature appelée le Bouni. Cette créature se cache dans les marécages, aux abords des rivières, des billabongs et des différents points d'eau. Le mot « bonyip » vient vraisemblablement de la langue Wamba Wamba. On en parle d'ores et déjà au XIXe siècle dans les écrits laissés par les colons européens. Mais il existe différentes versions du bonyip que l'on retrouve dans différentes régions d'Australie. Le mot « bunyip » pourrait être traduit par « esprit maléfique », mais également « diable ». Mais il existe peut-être une relation avec le mot « bunjut », qui est un grand homme mythique, ayant créé les montagnes, les rivières, les hommes et les animaux. Par la suite, le mot « bunyip » a été utilisé avec une signification différente pour parler d'un imposteur ou d'un charlatan. Ce que l'on sait sur le bunyip, c'est qu'il effraie les aborigènes. Le bunyip opère seul. Si vous approchez de son territoire, il vous guettera, il vous attaquera, il vous mangera. D'après ce que j'ai pu en lire, il dévore principalement les femmes et les enfants. Bref, vous l'aurez compris, le bunyip est une horrible créature. Quant à leur description, il y a différentes variantes. Dans un journal du 19e siècle, il est décrit comme une créature à tête de crocodile, avec un visage de chien, une fourrure très sombre et une queue de cheval, des nageoires et des défenses. En 1845, il fut décrit comme ayant une tête d'émeu avec un long bec. Son corps ressemblerait à celui d'un alligator avec de longues griffes. Il est dit également que le bunyip pond des œufs dans un nid, comme des tortues par exemple. Charles Fenner, géologiste et naturaliste, écrit en 1933 que le mythe du bunyip et toutes les histoires qui en découlent seraient liées au fait que de nombreux phoques remontaient les rivières à certains endroits, ce qui confondait les aborigènes. Mais il existe une autre théorie, comme quoi le bunyip serait une espèce animale éteinte qui serait restée dans les mémoires culturelles collectives des autochtones. Peut-être s'agirait-il du diprotodon. En 1846, un crâne étrange a été trouvé à Murrumbidgee, en Nouvelle-Galles du Sud. Il fut exposé à Sydney, mais vraisemblablement, c'était le crâne d'un veau ou d'un cheval, nul ne le sait réellement. Une légende raconte qu'un homme s'appelant Bunyip aurait enfreint la plus grande loi du serpent arc-en-ciel en mangeant son animal totem. Banni par le bon esprit, l'homme est devenu un esprit maléfique, attirant les membres de la tribu et le bétail dans l'eau pour les dévorer. Bref, vous l'aurez compris, on ne rigole pas ici avec cette créature. Alors, si vous venez en Australie,
méfiez-vous du bonnet. Aucune preuve de l'existence d'un bonnet n'a jamais été trouvée. Malgré tous les écrits et toutes les légendes s'y rapportant. Il en est donc né une expression. Pourquoi chercher le bonnet? Cela résume bien le fait qu'il est impossible de l'attraper.